بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. مرحبا بكل الطلبة والطالبات المتابعين لهذه القناة. اليوم نقدم لكم لابارتي نيميرو 9 في الموديل ديال الكترونيك دو باز بور لي زيتيديون ديال اس ام بي 4. هاد لابارتي غنشوف فيها سولمون ان سول بوان اي ساجي دو لا ديود زينر. على بركة الله، قبل ما نبدأ نذكركم ب مشاركة الصفحة مع الأصدقاء ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتبارطاجو مع الأصدقاء. لا بروميير بارتي اللي غنشوفو في هاد الفيديو لانتروديكسيون، دونك غنديرو ان انتروديكسيون. في هاد لانتروديكسيون غنبغي نبارلي دو لا ديود زينر. دونك ديود زينر est un composant électrique est un composant électrique semblable dont les propriétés de le composant électronique sont les mêmes sont semblables il y en a les mêmes que Chabon semblables en celles d'une diode ordinaire يعني كتشابه الديود اوردينير ديود اوردينير لا سول ديفيرونس دونك هنا غنديرو لا ديفيرونس الفرق بين ديود زينير و ديود اوردينير لا ديفيرونس سي كو لا ديود زينير بيرمي دو باسي le courant inverse l'axe de la diode ordinaire le courant inverse lorsqu'il passe un certain seuil mais nous allons revenir le seuil à expliquer le seuil de I inverse. Deuxième point, schéma de la diode zener. Donc le schéma, on symbolise la diode zener de cette façon. Donc on a le schéma de la diode ordinaire. La seule différence, c'est qu'on dirait la barrière. Mais à la barrière, on dirait qu'il y a deux traits, comme dans la figure. Maintenant, c'est l'anode et le point il représente la cathode. Pour le courant électrique, on peut avoir deux cas. Il est quand le courant passe le sens de l'anode vers la cathode, il y a un schéma de la diode zener sous cette forme. On dit le courant qui passe de l'anode ici vers la cathode. J'aurai le courant électrique I, la tension au bord de la diode transmise V, VD par exemple. Dans ce cas, la caractéristique de la diode zener est semblable, donc la caractéristique courant tension, c'est-à-dire I en fonction de F, de V, de D, est semblable à celle d'une diode ordinaire. Il y a de la diode zener qui est la diode ordinaire. Mais nous allons voir la caractéristique. Dans le cas de le courant, la seule différence qu'on a vu là, c'est que le courant il peut traverser la diode dans le sens contraire. Il y a le courant qui est la cathode, vers l'anode et la tension ici V de
D. Bien sûr, ici, V de D est négatif parce que la cathode a un potentiel qui représente la borne positive. Alors ici, la borne négative. Donc, la caractéristique, passons au troisième point, je pense mal l'HQL. Troisième point, la caractéristique. De la diode Zener. Je trace l'axe qui représente le courant, puis l'axe qui représente le potentiel, l'axe qui représente le potentiel, voilà. Donc, on a V, I, ou le V de D, la tension au bord ondiel, les deux au bord ondiel diode Zener. On a I, D. On va tracer la caractéristique de la diode. Donc, on va tracer les caractéristiques à partir de l'analyse. Bien sûr, la caractéristique, les TP, des valeurs numériques. La caractéristique fait quelque chose. Donc, on va de la node au positif. Donc, ici, le positif. On a le négatif. On va de le cas. Le cas de diode Zener qui se comporte comme diode ordinaire. Donc, on a la caractéristique de la diode ordinaire. Qu'est-ce qu'on va checker? Donc, on a 0. Un certain seuil. Qu'est-ce qu'on a la caractéristique de checker? Voilà. La caractéristique de la diode, le cas d'IL positif, le cas d'IL positif à la note. Donc ici, le plus, c'est le moins, et le courant, il passe du plus vers le moins. Donc, à la même caractéristique de la diode ordinaire. Donc, à la partie, la diode Zener, se comporte comme une diode ordinaire, conventionnée. Maintenant, si la node est négative, c'est-à-dire le positif vers le cathode, yani le courant, il passe le plus la cathode vers la node, donc on a le courant I. La caractéristique que qu'on va checker, mais c'est pas le diode ordinaire, bien sûr, quand cela a un 0. Donc, on a quand cela a un 0 jusqu'à un certain seuil, les dernières la définition, la caractéristique devient de cette forme. On a très bien que constante V de Z que qu'on très bien constante, parce que je me disais donc à trier. À degré très petit, donc on a la tension constante de la diode Zener. Donc, fin de la zone, on a le courant inverse, yannick, qu'on a la diode Batchek, et le courant passe inversement la diode Zener. Donc, on a le plus, on a le moins, c'est-à-dire on a connecté pour le courant inverse, yannick et gifle au sens opposé, on a le courant direct, dans le sens direct. Cette zone, elle s'appelle zone de polarisation. Polarisation directe. Cette zone, elle s'appelle polarisation inverse. Et la zone, on est là dans la projection ici. Parce que quand on a la tension. On a de la zone, elle s'appelle
zone de claquage. Zone de claquage. Alors, on va prendre chaque morceau de tariqa mziana. On se met un logiciel. Donc, V, on a le I de Z en fonction de V de D. Donc, on a le courant la polarisation inverse, bien sûr. La polarisation inverse, donc, on a la variation de le courant entre deux de courant I1 et I2. Donc, on va déterminer à partir de I1, on va déterminer V de D, les V de Z, V de Z1, V de Z2, etc. Donc, on s'amène le salon. Je trace la droite horizontale, de V de Z1. Donc, on a la projection là. Puis, je projette là l'axe de V D. Donc, je projette V, V, Z1. Maintenant, pour I2, la même chose. Par une autre couleur, on dit la droite horizontale jusqu'à point d'intersection. Puis, je projette à l'axe de V, D. Voilà, je dessine. Donc, c'est V, le point où V, à fond. C'est V, Z2. Alors, je calarde malgré la variation du courant. Donc, on va malgré la variation du courant qui circule dans la diode zener. La diode zener. La tension au bord de la diode, il y a de la tension, chacun régule le courant, pas la tension au bord de la diode, reste constante, presque constante, constante, et ce n'est pas un, ce n'est pas une diode idéale. Mais la variation, la variation est très petite. Même si on varie le courant électrique entre les bornes d'IL ou le courant qui passe par la diode. Maintenant, de la phrase, on peut déduire que la diode zener est utilisée, il y a l'utilisation d'IL, utilisée comme une stabilisatrice de quoi? Du tension. De stabilisatrice de tension. Stabilisatrice de tension, il y a la tension toujours fixe, même si on change le courant qui passe par la diode. Bien sûr, avec une petite variation, avec une petite variation. À partir de le schéma, on peut calculer la résistance interne de la diode zener, donc R est égal à la variation d'IL, le potentiel. R, c'est la variation d'IL delta U sur la variation de delta I. La résistance, elle tend vers 0 parce que la variation de I est très grande par rapport à la variation d'IL, la tension. Finalement, et troisième point principale utilisation de la diode zener. Donc déjà qu'on avait la diode zener est utilisée pour stabiliser la tension. Donc il est utilisé dans les circuits
les circuits de stabilisation de tension, ou là ce qu'on appelle régulateur Zener. Et aussi, on peut utiliser la diode Zener dans les circuits générateurs de tension de référence. Tension de référence. Et les circuits, ils permettent, ces circuits permettent. Moi, je normalise les circuits permettent de tension de référence, permettent d'obtenir une tension, une tension fixe malgré le changement du courant, malgré le changement du courant. Donc, le schéma est déjà là. Pour la polarisation inverse, la diode Zener, on a quatre combats de chèque. La diode Zener, le courant, elle passe le sens inverse. Il y a le courant qui est convenant. I, c'est le potentiel V de Z. La même carte, le sens opposé, donc V de Z, je suis comme positif. Donc, la diode, il est équivalent. C'est le cas de la polarisation inverse, donc elle est équivalent à générateur de courant, de tension, avec une résistance en série, les 15 R Z, les déjà Smilana, il y a RZ, il y a la résistance interne de la diode. Puis le potentiel, il y a le courant, fait de le sens. Et V de Z, fait de le sens, V de Z, ou le générateur, non, V de Z, 0. كنت من نكون طرقت لجميع لي بوان اللي خاصين بلاديود زينير. وصلنا لنهاية الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا دائما على قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.